Je suis obligé de crier un petit peu parce qu'il y a, comme vous l'entendez, il y a le vent. Donc, petite soirée en casting. Donc, coefficient 86, marée basse à 21h30. Donc là, ça fait une heure que je... Enfin, je vais faire une heure de descente parce que là, il est à peine 8h, 8h30. Donc, le temps de m'installer. Je viens de lancer les lignes. Il n'y a plus qu'à attendre et voir ce que ça donne. Donc déjà merci de venir sur cette vidéo, hein. J'espère qu'elle va vous plaire. Par contre, je vous le dis franchement, il n'y aura pas trop de discussions de ma part. Ce sera beaucoup des vidéos basées sur les images, tout ça. Quand je pourrai, j'essaierai de parler un peu, mais comme vous l'entendez, il y a énormément de vent, donc ça va être très compliqué. Allez, les 1500 à l'eau. Les lignes sont lancées, j'ai pris des lignes de traînards. Sur chaque ligne, c'est deux traînards. Avec des verres congelés, des verres frais. On verra bien ce que ça va dire. Allez, let's go pour la pêche. Que du plat, ça fait toujours plaisir, c'est pas capot. Là, la nuit va commencer à tomber,
espère, enfin du moins j'espère, toucher pas à votre corps et ma planche sera parfaite. On va encore faire à peu près une heure de pêche. Excusez-moi si je crie avec le vent, je me doute que vous n'allez pas beaucoup entendre. Mais bon, ça devrait le faire. Là, les petits plateaux derrière, ils commencent à se recouvrir. Les barres, généralement, se mettent dedans. Une fois que la barre remonte. Donc je vais attendre sur ces plateaux et puis espérer d'en toucher un. Bon les amis, cette pêche est terminée. Bon déjà je tenais encore à m'excuser de ne pas avoir beaucoup parlé ou du moins fait des explications sur le montage. Bon, les montages que j'ai utilisés c'est ceux que vous voyez d'habitude sur mes anciennes vidéos, hein, c'est-à-dire deux traînards avec un plomb débrayable. Là je suis parti sur des plombs débrayables de 175 grammes parce qu'il y avait quand même un petit peu de courant quand même, un petit peu de houle. Donc bon, il a fallu mettre un petit peu plus lourd. Que dire, cette pêche, bah, plutôt bien réussie. Hein, malgré le vent, on a un vent de nord-nord-est, un vent froid, bon, qui est pas ouf, mais bon, qui m'a quand même permis de toucher quand même du poisson. Je fais quand même 4 flets qui sont repartis à l'eau, pardon. Vous les avez vus, vous l'avez vu sur la vidéo d'ailleurs. Je commence à être fatigué. Et il a fallu attendre que la nuit elle tombe pour avoir de très belles attaques. J'en ai loupé quelques-unes, franchement de très belles attaques. Les cannes pliées à la limite. Malheureusement, ça s'est décroché. Mais j'aurais quand même touché quelques barres, deux barres, qui sont reparties à l'eau aussi. Donc voilà, très bonne pêche. Franchement, je suis content. Je suis arrivé, ouais, comme je dis, à 8h du soir, pardon. Oh, je suis vraiment fatigué. Il est vraiment temps que je rentre. Et là, il est minuit, donc il est temps de repartir à la maison. Et puis, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou même... Si vous abonnez pas, mettez-moi un petit pouce, ça fera vraiment plaisir. Et puis voilà, je vous invite maintenant à me rejoindre sur la page Facebook, donc Multipêche. N'hésitez pas à venir partager vos vidéos, raconter vos récits. Franchement, ça fera vraiment toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur la page TikTok. HDADA 62, toujours pareil, des vidéos humour, mes petits délires avec ma fille, et puis vous verrez l'ensemble de toutes mes pêches que je pratique, que ce soit en mer ou en eau douce.
Donc voilà. Et puis bah que dire de plus, bah plus rien, on va rentrer à la maison. Ça sera déjà une bonne chose. Prends une bonne douche. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.